Salut tout le monde, c'est Courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts 2. J'espère que vous allez bien. La France est arrêtée après avoir refait un petit tour dans Atlantica, la petite sirène, pour faire la fameuse chanson Sous l'océan. Alors, on avait eu quelques révélations sur Anselme le Sage, du coup, parce que. Ah, c'est ça! Ah non, bah en fait, c'est pas le sort que je pensais. Le sort où on tourne bien autour là. Enfin, je pensais pas que c'est ça. Bref. Du coup, on en avait appris plus sur Anselme, du coup, le sage, parce que on pensait qu'Anselme c'était un méchant, mais au final, apparemment, de ce que dit Mickey, c'est un gentil. On avait fini le monde de Tron, du coup, là, c'est un peu tourbillon, n'est-ce pas, je sais pas quoi, machin, enfin, bref, le monde de Tron. Voilà, cette attaque-là, celle où j'ai tombé sur moi-même, je pensais pas que c'était celle-là. Bah, prends mon skate. Non, c'est son bouclier, putain, je crois que c'est un skate. Du coup, la merde. La compétence Non. C'était où? Ah, onde circulaire. Je pensais que c'était autre chose. En fait, je pensais que c'était plus tard, il y aura, je crois, 4 boules qui tournent autour de nous. Et genre, ça fait et ça va faire plein de dégâts. Ça va être relativement puissant. Et je pensais que c'était ça, bah du coup bah je suis déception. Moi je voulais ce truc et au final c'est autre chose. Bon, c'est pas dégueu non plus hein, mais bon hein, j'aurais préféré l'autre truc parce que l'autre truc est complètement pété hein. Non, on va pas se cacher. Attends. Là on va faire ça, boum. Voilà, on a fait des dégâts, on va recommencer. On a pas le temps, nous on est des fous. Allez. Hop. On va faire ça aussi, tiens, boum. Boum. Bref, je sais pas tout à fait ce que je voulais faire, mais ça s'est bien passé. Bref, et du coup, là, on va aller aider du coup un peu tout le monde. Là, Cloud, Léon, Yuffie, Yuna et toute la clique. Alors, attendez, on va tenter un truc aussi. Hein, au passage, hein, pendant qu'on y est. Ouais, je vais les tuer parce qu'ils vont me saouler sinon. Ils vont m'empêcher de faire ce que je veux, et à mon avis, je vais pas réussir donc. Ah, c'est bien ça en fait. Hein. Ah, je fais la merde, c'est con. Oh putain, 100! Oh, what? Ils donnent 100 points d'XP, eux! Les petits soldats tout pétés, là! Oh, c'est plutôt pas mal! Putain, intéressant, du coup! Ouais, c'est clairement trop loin, ça! Peut-être avec la fusion maîtrise, mais de toute façon, je peux pas la faire, donc c'est hors de question! Ouais, non, c'est beaucoup trop loin! Bref! Du coup, on va aller à un peu tout le monde, là! Parce qu'il y avait beaucoup de sang-cœur, hein! Il y avait énormément de sang-cœur! Mais je vous dis pas, vous verrez ça en temps plus! Et du coup là on va tomber sur quelqu'un d'autre aussi. Okay, fellas, you've gotta go find Riku and Kairi. But Leon and the others are friends too. Don't worry, there's already lots of help here. We'll take care of this fight. But I promised Leon. Donald, Goofy, take Sora and get going. Riku, Kairi, give me a little time, okay? Your Majesty! We understand. We'll go search for Riku and Kairi. Right. Watch for danger. You'll be careful too. Wait, you guys. Sora, do as you're told. You're coming with us whether you want to or not. Come on, Sora. You gotta be good. Gotcha. Well then, skedaddle! Let's go! Whoa! I'm sorry, Your Majesty. Hope you can forgive us. J'ai trouvé la scène un peu surjouée, je sais pas pour vous, mais le petit clin d'œil de Donald était un peu... voilà. Ah, ça je crois que c'est une scène bonus qu'il n'y a pas dans la version PS2. Attendez, est-ce qu'il va dans les... Ouais, je crois que c'est une scène bonus qu'il n'y a pas dans la version PS2, donc je vous laisse apprécier. Mmh.
Master Ansem, regarding the experiment I presented the other day, with your permission, I'd like to proceed. I forbid it! Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. But Master Ansem, I've been thinking... They are not. Those thoughts are best forgotten. It has been far too long, friend. Pause, je suis désolé, hein, je fais une pause en plein milieu. Là, vous êtes sûrement dit, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Enfin, on n'a pas compris. Alors, on a vu, du coup, hein, donc on suppose un membre de l'organisation 13, hein, touché à notre PC et pris un passage secret, enfin, le PC d'Ansem, du coup. Mais on l'a vu aller voir, d'ailleurs, il n'aurait pas pu se TP, ça aurait été plus rapide, hein, après, voilà quoi. Et du coup, on l'a vu dire bonjour mon vieil ami, je crois. Enfin, il a dit mon vieil ami. On a vu une armure bleue avec une Keyblade à côté. Et c'est l'armure d'Aqua. Qui est Aqua, vous verrez ça dans Burst by Sleep, ou si vous connaissez Burst by Sleep, hein, vous comprenez ce que, enfin, vous comprenez de qui provient cette armure. Après, comment elle est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé et tout. On le saura dans Burst by Sleep, enfin bref, on verra ça en temps voulu, mais voilà. Donc si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas vu Burst by Sleep, vous pouvez potentiellement pas comprendre, techniquement. Mais voilà pour la petite explication, donc ne cherchez pas à avoir une réponse maintenant, il n'y en aura pas. La réponse, elle sera dans Burst by Sleep, enfin, plus ou moins, mais bref, on continue. Zaxian! Zaxian! Right here. What is it? Where is Lord Zemnis? His usual spot. The Chamber of Repose? Yes. Go and see for yourself. That isn't funny! I suppose I have no choice but to wait. But the clock is ticking. Time is running out. What to do? Why is he never around when I need him? It's almost as if he knows I'm looking for him. You know, I don't like that place either. What about you, Zaxian? What do you think? I think eavesdropping is intrusive. Why are you even here? You and Zaldin were tasked to recruit new members. Have you forgotten, or were you procrastinating? As if. I'm doing my job. I'll have you know, I found one just yesterday. Mar something. That puts the organization's count at 11. And since I've been working so hard, I had Lexius take my place for the day. I want to rest up for tomorrow, so I can wake up feeling nice and refreshed. Is that so? Well then, I will leave you to it. I have work to catch up on. Good day. Oh, don't be like that. Come on, stay and talk. Isn't it time you told me about Zemnis's secret? How long ago was it? When a bunch of warriors wielding key-shaped swords appeared and unleashed a spectacular battle. And when it was all over, all that was left was a man lying unconscious without his memories. Zemnis.
I mean Xehanort. Was found by Ansem right around then, wasn't he? Your point? The Chamber of Repose. If you recall, that's where we spent our time researching the darkness that resides within people's hearts. It's a graveyard that was sealed by order of Ansem the Wise. The first thing Xemnas did once he got rid of him was to undo the seal and build a room in the back. Ever since then, he holds himself up in that room when he can and he talks to someone. But who? For all I know, he's the only one in that room. Need I repeat myself about eavesdropping? Not eavesdropping. Couldn't hear what they were saying. Dying to find out what it was, though. You wouldn't know anything about it, would you? I know I would very much like to focus on my own duties. As you should with yours. For we need to prepare the new facility immediately. But there are only 11 of us in the organization. We're going to need a few more hands on deck. What new facility? Oh, you mean Castle Oblivion. What does Xemnas plan on doing with that place, anyway? He already shared his intentions with us. But did you know there's something he didn't share? The Chamber of Repose is part of a pair. The Chamber of Waking is the other. Another graveyard, if you want to call it that. It was constructed by someone other than Xemnas himself. And that's where he'll find it. That's where he'll find his other friend. Hey, you guys are looking lively. Scram! Didn't we catch you messing around in the underworld? How'd a wimp like you get into Organization 13? I bet you can't even fight. Yeah, but we can. You shouldn't judge anyone by appearance. Oh, I told them they were sending the wrong guy. Who is this kook? Remember, the organization's made up of nobodies. Right. No hearts. Oh, we do too have hearts. Don't be mad. You can't trick us! Silence, traitor. Bon, là on va avoir le droit à un petit boss. Le début ça va être un peu le même délire là avec les machins, sauf que cette fois c'est 50 clones, il me semblait qu'il n'y en avait que 10. Bon, je sais plus. Alors là, la scène d'avant j'ai pas tout capté. Parce qu'il y avait deux membres de l'organisation 13 qu'on avait tués du coup, enfin il me semble qu'on les a tués hein, dans Rechain of Memories, qui étaient là. Donc la scène, est-ce qu'elle était dans le passé? Est-ce qu'elle était dans le passé? J'ai pas tout suivi et puis... Il y a des noms qui ressortaient, mais les noms, je peux pas vous dire qui c'est, parce que ce serait du spoil, tout simplement, on le saura un peu plus tard. Donc je vais pas trop débriefer sur ce qu'on a vu, hein. Je vous laisse comprendre ce que vous avez pu comprendre, mais si vous avez pas tout compris, je pense que c'est normal, parce que même moi, il y a des trucs que j'ai pas tout suivi. Bon là, ça va être le même principe que la dernière fois, sauf que cette fois, c'est beaucoup plus dur. En plus, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, c'est génial. Ouais, ça va pas passer.
Je pense pas que ça va passer. Vas-y, viens là, toi. Ah, c'est chaud. C'est chaud. J'ai fait beaucoup de temps. Je suis pas serein. Je suis vraiment pas serein. Ok, c'est bon. Et on se tape le boss. On n'a pas le temps, nous on est des fous. Alors pour l'instant on le met assez mal, mais il va vite se réveiller à mon avis. Voilà, là il commence à faire ses bulles. Là il rigole plus. Il rigole plus. Ouais, bah, ouais, ouais, okay. Il nous roule un peu dessus là pour le coup, mais bon. On s'en fout. Hop, on va fusionner. J'aurais peut-être dû attendre avant de fusionner. Ouh, je pouvais faire un truc. J'ai pas pu du coup, comme j'étais en train de fusionner. Aïe. 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 Allez, vas-y, tape-le, 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 tape-le. Hop. Allez, vas-y, enchaîne-le, enchaîne-le, enchaîne-le. J'aurais dû faire maîtrise, je pense. La maîtrise fusion était plus adéquate, mais bon, j'aurais pas pris de level, donc... Je pense que ce n'était pas la meilleure idée, même si le boss... Le boss en soi... Merde, il recommence. Le boss, c'est pas compliqué en soi, mais... Ouais, c'est le problème, c'est ces clones-là qui sont assez... On peut perdre en 2 secondes, quoi, en fait. On peut perdre en 2 secondes à cause de ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il me semblait qu'on avait que 10 secondes quand il y en avait 10. Peut-être que c'était que en mode maîtrise, je sais plus. Mais sinon il est pas. En soi il est pas dur, il y a que quand il invoque ses clones que c'est. Ça peut être compliqué. Là pour l'instant, il a pas fait grand chose. Hein. Je me souviens que j'avais tellement galéré sur ce boss. C'est juste à cause de ses clones, hein. Je perdais tout le temps là-dessus. Ok, il est quasiment mort. Il est quasiment mort. Merde, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Arrête. 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 Tu me saoules. Mais arrête. Mais t'as pas le droit. Tu triches. Tu triches, j'ai dit. Vas-y, on le finit encore avec vaillance. Là, on n'a pas le temps. On est des fous. Non, pas la non-forme. T'avais pas le droit. Je vais pas pouvoir me soigner. Je vais même pas pouvoir le finir, je crois. Parce que. Oh là là. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il a pas intérêt à mettre ses clones là parce que sinon je suis mort. Non, c'est bon. Parce que quand, à mon avis, il aurait mis ses clones, j'aurais pas pu interagir avec eux et du coup pour les taper, ça aurait été un peu galère. Bref, on aurait quand même réussi. J'ai eu un peu peur sur la fin, mais c'est bon. Je déteste tellement la non-forme. Pourtant, elle est puissante, mais c'est pas. Voilà. Anyone from the organization who'd like to be next? Hey, Sora. Good antagonize them. Yeah, we gotta go help our friends out first. Oh, sorry. Then let's go. Aha! There you are! You sure have lots of friends to help. So, I guess we better all pull together and finish this battle for good. Yes, Your Majesty! No. Hey, you're the king's captain. You gotta get up. Come on, wake up. I'm sorry about the ice cream. Goofy? Goofy. This is not happening. It can't be happening. It can't. They'll pay for this. Ah!
Alors, c'est triste, on est d'accord, mais c'est quoi cette mort nulle? Mec, t'as affronté Ansem, t'as affronté des milliards de sans-cœurs, des simili, tout ce que tu veux, et tu meurs parce qu'il y a un gros rocher qui te tombe à la gueule. J'ai pas compris. Booster Glass, ok. Bon bah du coup, voilà. La mort de Dingo, de Goofy, la meilleure mort du jeu, hein, on est d'accord. Par contre, je vais faire une petite ellipse, ça va casser l'ambiance, mais il faut que j'aille faire pipi. Ouais. Oh, le petit freeze. Ah oui, c'est vrai, il y a Yoshi qui vient nous aller. Ouais, attendez, je vais faire pipi parce que je me retiens depuis 20 minutes là. Bon, j'exagère, mais je me retiens depuis la cinématique qu'il y a eu sur... qu'il y a eu avec... Avec le mec qui est descendu là, le mec de l'organisation qui est descendu dans la chambre de l'éveil ou je sais plus quoi. Bref, je vais aller, je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour, on est reparti du coup. Donc on tape avec Yuffie, du coup. Et du coup, Dingo est mort quand même, et c'est triste. C'est très triste. Vous sentez la tristesse en moi? Vous la sentez? Non, moi je la sens pas. Oui, je suis un sans-cœur, oui, je suis un salaud, mais je m'en fous. Hop, ça dégage. Oula, Sora, calme-toi. Mais bon, c'était quoi cette... c'était n'importe quoi. Non mais... En plus, la probabilité que le Rocha il pile sur Mickey là, et que Dingo il le sauve, mais... C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Soleil levant, hop, ça fait très mal, soleil levant. On apprécie. Hop. Et on va arriver du coup bientôt dans la deuxième phase du jeu. Enfin, bon, on verra ça quand on y sera. Mais une phrase que j'ai trouvé dommage. Voilà, je vous verrai ça en temps voulu, mais j'aurais préféré. Merde. J'aurais préféré qu'ils fassent autre chose. Ou alors que. Et aussi, enfin, qu'ils fassent autre chose, certes. Mais aussi qu'ils le fassent différemment parce que. Dès qu'on va finir ça, t'es un peu perdu. Il t'explique pas trop ce qu'il faut que tu fasses, je crois. Donc vous allez voir, ça va être un peu. Un peu spécial. Il y a ma main qui me gratte. Genre le creux de ma main. C'est assez chiant à gratter. Parce que ça chatouille un peu. c'est très chiant, bref. On est reparti, et là cette fois c'est... Ouh là, c'est Tifa, ça rigole pas. Tifa, elle rigole pas. Est-ce que je peux fusionner? Je peux même pas fusionner, d'accord. Ah, il doit me falloir 4... 4... comment ça s'appelle? Soleil levant? Non, raté. Il va sûrement me falloir 4... 4 barres de plus. Merde, j'ai fait la merde. Non, je voulais. Oh là là, je fais n'importe quoi. Un peu de force, ça je dis pas non. Non, j'ai refait n'importe quoi. Et oh, hé hey. Vous calmez tout de suite là. Ça va pas le faire si vous continuez comme ça. Heureusement qu'il y a Tifa qui nous aide. Et Donald, il est où d'ailleurs? Qui s'y fout, Donald? Non, non, me tape pas, je t'ai refait. Hop. Alors, est-ce que je peux se fusionner? Oui, ok, donc c'est 4 barres qu'il nous faut pour pouvoir fusionner avec. La forme souvenance. Boum. Ok. On se sent plutôt pas mal. Ça c'est cool de nous faire battre avec avec d'autres personnages que Donald et Dingo. Je trouve ça fort plaisant. Et là c'est toujours pas fini. Bah oui, bah forcément. Ah et par contre là il y a Cloud. C'est pas grave s'il y a Cloud. Franchement quand il y a Cloud, voilà quoi, j'ai envie de dire... Je pardonne tout, hein, tout ce que le jeu me fait. Oh, oh, ça fait mal ça. Non, tu as fait du mauvais côté. Quand Cloud est là, franchement, je pardonne un peu tout, hein. Amorti. Hop, boum. Et boum. Et boum. Ça fait mal. Now. Il meurt. Vas-y, attends, j'aimerais bien faire, voilà, ça. Et cette fois, voilà, là, ça fait des dégâts. Là, c'est bien. Et hop les... Vous voyez qu'avec Cloud, ça va très très vite. Hein. Lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Bref. On va sauvegarder. Après, on va faire le fameux combat mythique, là, que vous verrez ça. C'est très très sympathique. Are you okay? Yeah, I'm fine, but... Hey, fellas! Goofy! You know, that really hurt. Aw, Goofy. Of course, Your Majesty. I get bumped on the head all the time. Ha, ha, ha.
That hurt too. Oh, don't you ever do that again. Voilà pourquoi la tristesse n'était pas très présente, hein, parce que je savais ce qui allait se passer. Hop. Alors, du coup, on a du coup soin plus, si je dis pas de bêtises, et ça c'est cool, hein, on va pouvoir soigner plus. C'est rigolo, hein. oui. J'en ai pensé, parce que... On dit les magies X. Oh non, putain, une poche déchirée. Mais je voulais pas du tout avoir ça, moi. Ouais, tellement je déteste ce monde, dès que j'ai un nouveau truc dans ce monde, je... Voilà, j'ai pas envie. Mais depuis le début, moi, je dis toujours Brasier X, et puis même, j'ai déjà vu d'autres youtubeurs dire Brasier X, Foudre X, Soin X, des trucs comme ça. Mais est-ce que ça serait pas Soin Foi, par hasard, et pas Soin X? Je sais pas, je pense pas, hein, très clairement, parce que ça me fait bizarre, mais bon, après, c'est une question d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça et ça. Mais ça se trouve, on dit pas soin X, on dit soin fois, parce que on dit soin plus. On dit pas soin plus. Enfin, t'es obligé de dire soin plus, mais ça se trouve, c'est soin fois et pas soin X. Enfin, je sais pas, c'est un truc, je dis ça comme ça, mais j'en sais rien. Huh? What's with them? It's the guy who's got handsome. You mean it's his nobody? The leader of Organization 13. Wait a minute. Now I know. Wise Ansem, I am here to seek your advice. I'm glad we have the opportunity to speak like this, my friend. I'm intrigued by your hypothesis, and I'm finding it difficult to stave off the urge to test it. Still, I'm concerned about the stability of the world. Yep, that's what worries me too. The doors that appeared, the place the heartless seek. I fear my research may have brought this upon us. Master Ansem, regarding the experiment I presented the other day, with your permission, I'd like to proceed. I forbid it! Forget this talk of doors and the heart of all worlds. That place must not be defiled. But Master Ansem, I've been thinking. They are not. Those thoughts are best forgotten. Now I remember, Xehanort, Ansem's apprentice. The leader of Organization 13 is Xehanort's nobody. Let's go! Move it! You can't let Xehanort get away! Right! Alors c'est moi ou tout paraît flouté là actuellement? Vous trouvez pas que c'est plus flouté que ça me paraît vachement flouté? Je sais pas, ça me fait bizarre.
Bon, du coup, on a donc on voit enfin le visage du mec de l'organisation. Et là, c'est plus flouté. C'était très bizarre. J'ai pas tout compris. Alors, regardez. Là, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, contre le combat des 1100 cœurs, c'est ce genre de petit truc qui fait extrêmement mal. Voilà, j'aurais déjà tué 100. Ça va très très vite. Hein. On va en profiter d'être tout seul pour activer cette fusion et faire des trucs cool. Hein. Merde, j'ai foiré. Non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait annuler en voulant faire une commande. Oh lolo. N'importe quoi ce que je viens de te faire. Bon, heureusement que ça recharge vite, mais bon, c'est abusé. C'est dire. En bref, et du coup là c'est le combat des 1100 cœurs et ça, je trouve ça trop stylé. Je trouvais ce combat, du coup mythique, hein, comme je vous l'ai dit. Regardez tout ce monde là. On va devoir tous les tuer. Ça, je trouve ça trop stylé. Hop là. On va plutôt taper au corps à corps pour récupérer du flux, histoire d'augmenter la forme souvenance, parce qu'on... On l'augmente pas beaucoup, du coup, comme on s'en sert jamais. Parce que c'est pas forcément une forme très très puissante, hein, on va pas se le cacher. Hop. Enfin, elle est pas puissante, mais bon, voilà, c'est quand même un petit peu, hein, elle pourra nous aider dans ce genre de situation. Donc là, tu te foires pas. Voilà, et là, tu vas faire Disco Bolos. Voilà, ça fait quelques dégâts, c'est plutôt cool. Et ensuite, tu vas faire un petit coup de Ragnarok. D'accord. Donc là, faut que j'attende que mes PA se rechargent, hein, forcément. Et la fusion part extrêmement vite, d'ailleurs. Mais bon, on va vite la recharger, hein. On a tué combien? 300. Bon, ça va prendre un peu de temps, hein, forcément, mais bon. Et là, on va commencer à prendre mass level aussi, ça va être cool. Oula, vous allez vous calmer tout de suite là. Le truc c'est un Kamehameha quoi, vraiment. Et on va pouvoir refusionner. Allez, on refusionne. On va faire du coup, le seul qu'on a pas fait c'est Arcade je crois. Oh, j'ai raté, recommence. Non, j'ai encore raté. Vas-y, je suis une merde. Voilà, le problème c'est que... Bon, par contre, tape les ceux qui sont au sol, s'il te plaît. Sora, hein, t'es pas le con. Aïe. Par contre, du coup, ouais, bah, comme on a plus d'AMP, on est obligé d'attendre de... Hop, soleil levant. On est obligé d'attendre que la fusion revienne au final, puisque comme on a plus d'AMP, on peut plus trop faire les mouvements, donc du coup, c'est pas très cool. Ah, c'est tellement cool, ça. On a fait la moitié, on se sent plutôt bien. Bon, si je voulais vraiment aller vite, hein, j'utiliserais que le Kamehameha, hein, très clairement. Parce que... Oh putain, ça charge super vite, hein. Non, je crois que c'était non forme, c'est bon. Attends, je vais spammer triangle, là, parce que je vais réussir le truc, là. Enchaînement. Fin. Voilà. C'est tout. Maintenant, tu vas faire un petit Disco Bolos. Et à chaque fois que j'utilise une compétence, ça va... Merde. Ça va augmenter le level de la forme. Du coup là elle a dû passer niveau 2, je l'ai pas vu tout à l'heure. Ou peut-être pas en fait, je sais plus. Bon, elle fait quand même mal, hein. Niveau combo on en a quand même quelques-uns de force sympathiques. Bon, ça, comment ça se fait que ça recharge plus vite que tout à l'heure? Tout à l'heure ça chargeait moins vite. Ça chargeait vite certes, mais pas aussi vite. Regardez, ça charge super vite, c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment l'occasion d'augmenter bien la fusion là. Hop, fusion, souvenance. En plus, si tu récupères tes TMP, c'est cool. Aquillon, on va se faire les triangles. Et boum, niveau 2. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Et tu vas faire un petit Ragnarok, allez, hop. Voilà. C'est pas mon... Ragnarok, c'est pas mon truc préféré. Hein. Je pense qu'Aquillon, c'est clairement le plus puissant. Après, je sais pas ce qui est conseillé de faire, mais bon. Allez, tape. Bon, on prend quand même tarif, hein. on prend pas cher, mais on se fait beaucoup taper. Et du coup, on enchaîne pas autant qu'on veut. Hop là. Et c'est bientôt fini. T'as l'impression que ça a pas bougé depuis tout à l'heure. Regarde tout ce qu'il reste encore. Mais bon, on a fait 3 quarts là. Oh là là, ça charge tellement de vite. C'est génial. C'est génial. Allez, stop. Laissez-moi taper, laissez-moi faire ma fusion. Et on est reparti pour un petit taquillon. Ou peut-être on va faire aussi... Ce que j'aime bien aussi, c'est Arcane. Là, le petit enchaînement qu'on fait à la fin. Ouais, je pense qu'Aquillon, c'est quand même le plus efficace contre autant d'ennemis. Parce que ça touche vraiment un peu tout le monde. Donc je pense que c'est fort, fort sympathique. Oh, boum!
Hop, ok. On est reparti dans le tas. En plus, c'est cool, c'est qu'on a, on a eu la compétence qui permet de tournoyer sur nous-mêmes, et du coup, bah, c'est vachement efficace, quoi. Ça, ça permet de charger encore plus vite le... En gros, si je tape ça, ça va pas charger vite, hein. Ça vous permet de charger très vite notre notre barre de flux, et on fusionne vite, et du coup, on se régène, et du coup, ça s'enchaîne, quoi. Hop, allez, on refusionne, c'est reparti pour un retour, on va faire Disco Bolos, et hop. Disco Bolos, mais... Ah, Disco Bolos aussi, ça peut être pas mal. Mais bon, Aquillon, j'adore. Aquillon, c'était mon... Le sort qui me permettait de défoncer un peu tous les boss... Merde, j'ai oublié de faire la fin. Qui me permettait de défoncer un peu tous les boss dans... Non, comment ça s'appelle? Dans Return of Memories, c'était plutôt cool, ma foi. Je prends tellement tarif. Soleil levant, ça me fait rater. J'en prends plein la tronche. J'arrive pas à bouger. Non, stop, 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 calmez-vous. Ça, ça donne pas de, de flux, donc on va éviter, mais bon. Saisir. J'ai raté. Faut que j'en saisisse un. Saisir. Faire un petit carnage, là. Hop, voilà. Ça fait bien, mal. Boum. Allez, c'est bientôt fini, là. Il en reste plus qu'une centaine. Il en reste qu'une centaine. Ça va aller vite. Vous imaginez, 1100 coeurs, là. On va se faire 1100 coeurs en tout. C'est un truc de ouf. On va faire un petit soin. Hein. Hop. Pas parce que j'ai été très lourd en PV, parce que j'avais un peu plus de la moitié de ma vie. C'est juste histoire que ma barre de flux se recharge plus vite, parce que je crois que si je suis en... Si je suis en soin, si je ne dis pas de conneries, ça charge plus vite. Enfin, ça charge tout seul, en fait, quand j'ai plus de MP. Enfin, pas quand je suis en soin, quand j'ai plus de MP à dépenser, là, quand la barre est vide et qu'elle se recharge, je crois que ça... Ça charge plus vite. Aquillon, on est reparti. Encore. Bon, l'astuce pour augmenter bien cette fusion, c'est de combattre près d'un point de sauvegarde. Genre, tu changes de pièce, t'as un point de sauvegarde direct. Et comme ça, tu prends la sauvegarde, tu récupères tes MP, puis tu retournes dans un lieu où il y a des combats, et puis t'enchaînes comme ça. Quoi. Allez, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, il m'en reste encore. Oula, vous êtes pas apparu, on est d'accord, hein. Ils étaient pas là tout à l'heure. Je sais pas, c'est bizarre. What? Attends, mais what ça? Ils étaient pas là, hein. Ça respawn petit à petit. Hein. Je vous ai cramé, hein. Je vous ai cramé, ne faites pas semblant. Je vous ai vu. Aïe. Enfin, aïe. Mais pas permis de finir mon combo. Et là, c'est fini. Va taper celui-là, trou de balle. Et voilà. Et stockade. On a pris deux ou trois levels, je sais plus. On a pris des levels et ça c'est cool. On leur a bien roulé dessus. Hein. Where's the king? Come on! Your Majesty! Xehanort! How long has it been since I abandoned that name? Out with it, nobody! Where's Kairi? Where's Riku? I know nothing of any Kairi. As for Riku, perhaps you should ask your king. Stop! He's gone. Show our duty. What's going on? Way to fall right into their trap. Oh.
Come on. It's a setup by Organization 13. Xemnas is using you to destroy the Heartless. That's his big master plan. Xemnas? The guy you just saw. He's their leader. Got it memorized? X-E-M-N-A-S. Organization 13 wants to get rid of the Heartless? Man, you're slow. Every Heartless slain with that Keyblade releases a captive heart. That is what the organization is after. So what are those guys gonna do with the hearts? I'm not telling. Tell us! You're the one who kidnapped Kairi. Bingo. The name's Axo. Got it memorized. Where is Kairi? Please, just tell me. Look, about Kairi, I'm sorry. Axel. Uh-oh. We'll ensure he receives the maximum punishment. I don't care about any of that. Just let me into the realm of darkness, okay? If it's Kairi you're worried about, don't. We're taking very good care of her. Take me to her. Is she that important to you? Yeah, more than anything. Show me how important. Please. So, you really do care for her? In that case, the answer's no. You run! Are you angry? Do you hate me? Then take that rage and direct it at the Heartless. Pitiful Heartless, mindlessly collecting hearts. And yet, they know not the true power of what they hold. The rage of the Keyblade releases those hearts. They gather in darkness, masterless and free, until they weave together to make kingdom hearts. And when that time comes, we can truly, finally exist. What in the world do you think you're prattling on about? Kingdom Hearts belongs to me. The heart of all kingdoms. The heart of all that lives. A dominion fit to be called Kingdom Hearts must be my dominion! Maleficent, no! No more Heartless! I do not take orders from you! Fool. These creatures at bay, you devise a way to vanquish them forever. Maleficent. Do not misunderstand me. I shall have my revenge on you yet. Maleficent! Leave now. I don't take orders from you. Sure, come on! But what about... Now then, where did we leave off? Huh? Which side are you guys on, anyway? The Heartless ally with whoever's the strongest.
Yes, Sora. Extract more hearts. No! The hearts! Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the Keyblade? Imbeciles! You can't be trusted to do anything. Huh? Rapport d'Ansem numéro 1. Rapport secret rédigé par Ansem, tu peux constater depuis dans le carnet de Gemini. Bon, on a eu quelques trucs importants. Je passe pas à ça parce que je crois que ça va enchaîner avec les cinématiques encore derrière. Donc, petit récap quand même. Hein. Du coup, les méchants s'appellent Xemmas, du coup, qui est le simili de Xehanort. Et du coup, le sans-cœur de Xehanort, c'était Ansem. Enfin, on l'appelle du coup Ansem. Enfin, on va rester sur Ansem puisque c'est un peu son nom, mais c'est, on va dire, Ansem le Sage, Xehanort et Xemmas, du coup, pour se comprendre. Donc Ansem le Sage, c'est le mec qu'on a vu avec Mikael. Xehanort, c'était le disciple de Ansem le Sage. Du coup, on suppose que Xehanort est mort, qui a créé un sans-cœur et un simili. Le sans-cœur, c'est Ansem, pas le Sage, juste Ansem. Et son sans-cœur, c'est Xemmas qu'on a vu tout à l'heure et Ansem qu'on a affronté dans le 1. Et du coup, on a aussi appris qu'en tuant les 100 cœurs, ils récupèrent les cœurs pour du coup créer Kingdom Hearts. Apparemment, enfin, j'ai pas tout compris. Enfin, si, j'ai tout compris, mais c'est un peu flou quand même pour vous, pour ceux qui, enfin, pour ceux qui connaissent pas le jeu. Moi, j'ai absolument tout compris, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Maléfique nous aider. Enfin bref, on enchaîne. Sora! Donald! Goofy! Relax. Those three aren't going down that easily. The Keyblade's chosen one. He's a lucky kid. See you soon. Sora knows the truth now. The more heartless that he defeats, the closer he is to becoming our perfect puppet. This new knowledge will make him that much harder to control. What does it matter, really? Whatever his circumstances, Sora has never been able to help himself from saving people from the Heartless. It's what his pure little heart wants. There. The dice have been cast. Things are in motion. He can't stop this. Nothing is set in stone. If the dice aren't in your favor, he will share Demix's fate. The fun is in not knowing. Isn't it? What is the point of betting on something if you already know the outcome? Are you sure that defeating him won't derail the organization's plan? If he is to die so easily, he is of no use to us. That's exactly what I wanted to hear. It's not in my nature to hold back. I
I guess sometimes help comes from unexpected places. Sure does. Maybe everything we've done, maybe it was all for nothing. What am I supposed to do if I can't use the Keyblade? Imbeciles! You can't be trusted to do anything. Huh? What's this place? It must be the Realm of Darkness. Kairi! Riku! What? Who's there? What is it? Are you sure you want to open that? Gorge! It's the gang from Twilight Town. There's Hainer, Pence, Olette, and, Roxas. You know him? No. The name just popped into my head. This is Roxas. Are you sure you want to eat that? Salty? No. Sweet! Not yet. I gotta look for Kairi. Une glace délicieuse et rafraîchissante à souhait. Photo, une photo de Hainer et de sa bande devant le manoir de la cité du crépuscule. Some ice cream. I wonder if there's some sort of clue. And who would have left them for us anyway? Riku? You think? Just this feeling I got. Yeah! Well, I'm a star! Hey, what if the Heartless are back again? I can't use the Keyblade. That would only help the organization. But Sora, I think you have to use it. If we don't fight them, the Heartless will keep on hurting folks. Alors, on va pas tarder à s'arrêter, mais je voulais faire un truc. On est reparti du coup. Alors avec une photo et une photo et un. Je pense que pour l'instant on peut rien y faire. Enfin, on peut, ça sert à rien d'aller les revoir, je crois. Une photo et une glace, c'est plutôt génial. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, parce que là ils nous jettent comme ça, on comprend pas trop ce qu'il faut faire. Moi, je vous avoue que la première fois, j'étais complètement paumé, je comprenais rien. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de retourner dans chaque monde. Déjà, on voit que le monde d'Hercule n'est plus là. On va devoir retourner dans chaque monde, donc dans l'ordre qu'on veut, même si... voilà, level 37, celui-là, on va pas le faire.
Ah, on est d'accord. Il y a des mondes qui ont disparu, je sais pas s'il va falloir... Ah non, à mon avis, il y aura pas besoin de refaire les courses. Mais du coup, on va devoir refaire chaque monde. Et c'est là que je vous dis que j'ai trouvé ça dommage, parce que c'est... Enfin, franchement, enfin, il y a des mondes que j'aime beaucoup. Il y a des mondes que, bah, on va pas dire que j'aime pas, mais on va pas dire que j'aime bien non plus. Enfin, genre, c'est... Ça me gêne pas de les faire, mais c'est pas non plus le gros kiff, quoi. Du coup, on va devoir refaire tous les mondes. Bon, ça va pas être la même histoire, je vous rassure. Ça va pas être, ça va pas être un copier-coller, mais juste les 100 carrés vont être plus dur. Hein. Ça va être complètement différent. Mais j'aurais préféré, genre, qu'ils créent d'autres mondes, en fait, tout simplement. Genre, qu'ils mettent, par exemple... Ouais, bon, après, j'allais dire la Reine des Neiges et tout, mais genre, c'est des... On va dire des récents, entre guillemets. Le jeu, il est sorti en... Il est sorti avant que ça sorte, donc forcément, il y avait pas. Mais genre, par exemple... je sais pas, mettre le monde de Cendrillon, par exemple. Ah oui, non, ça aurait été délicat, je pense. Vous comprendrez dans Burst by Steep. Normalement, si j'ai pas de bêtises. Non, mais je sais pas, genre mettre d'autres mondes. Je pense que d'autres Disney auraient pu être cool. Genre le monde de Dumbo. Genre comme Dumbo était là dans le 1, par exemple. On pouvait l'invoquer. Ça aurait pu être une idée, même si Dumbo, c'est pas le Disney que je kiffe le plus. Mais bon, genre mettre des nouvelles histoires, je pense que ça aurait pu être intéressant au lieu de... Enfin, de nouveaux mondes. Plutôt que de nous refaire faire les mêmes, même si c'est différent, quoi. Enfin, je trouve. Personnellement, je trouve. Bref. On va vite faire retourner dans la Cité du Crépuscule avant toute chose, parce que j'ai un petit truc à faire, vous voyez. Un truc qui est, je crois, annexe, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Je sais pas si on est obligé de le faire, mais vous allez voir, ça va être très sympa. Ouais, on va aller parler aux fées là-bas. Enfin, Yuna, Riku et Pain. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a trois serrures ici. C'est tout à fait normal. En fait, c'est la serrure... parce que là, ici, techniquement... enfin... Bon, Donald, tu montes ou qu'est-ce que tu fais? Techniquement, il reste qu'une seule serrure à avoir et c'est la serrure du monde de Tron, en fait. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, normalement, vous avez vu, parce qu'il y a trois serrures. On a vu, enfin, on a vu qu'on avait déverrouillé une, donc c'est celle qu'on a fait... Enfin, on a la verrouillé une, celle qu'on a fait tout à l'heure, là, avec la glace. Mais il en reste encore deux. Et en fait, il y a le monde de Winnie et le monde de Tron. Voilà. Donc, pour le petit info, mais le monde de Tron, on le fera dans les derniers parce que... Alors, je sais même pas si on peut le faire maintenant, mais le level va être un peu trop élevé, je pense. Bref, parlons à Yuna. Liars! Quoi? Leon doesn't have any treasure! And we fought for you guys. Donald! Well, I had to kill him something. I don't see how we're gonna work this out. So what should we do? Why do you think they would trick us like that? No, we work so hard to help them out. It becomes a total... It's not fair. They'll just take responsibility for what they did. They like that. Okay. Yeah. This'll be great. Good call. Okay. It's go time. We're just going to take your treasure. But we don't have anything. You sure? Let's take a look. Ooh. Hey, Uni, I took a look, and sure enough, okay, we've decided. The Gullwings are taking all your items. You gotta be kidding me. Oh, Foofy, this stinks. So not cool. Look, sorry we tricked you, but... Forget about it. Leon told us the whole story. He said your journey's been pretty rough. So it wouldn't really be right if we took your things. We'll root for you. Here, this is from us. Bye, good luck on your journey. Bon, ils voulaient tout nous piquer, bah ils nous ont filé un item du coup à la fin. Et cet item, je le trouve très cool. Vous allez voir ce que c'est. C'est la Keyblade. La Keyblade Albatros. Double gain d'expérience après une victoire lorsque les HP restants sont inférieurs à 50%. Bon, ça, le truc n'est pas ouf. La Keyblade, je crois en soi, elle n'est pas ouf non plus. Hein. Elle n'est pas pétée de ouf. Mais j'aime beaucoup cette Keyblade. Voilà. Arestok a effectué un puissant coup critique qui entame la garde d'un adversaire. Ça peut être pas mal. Donc parade, ça dégage. Et je crois qu'on avait eu un autre truc. Souvenir sur toi, défi. Ouais, non, on s'en fout.
Ah, roulade niveau 1, ça c'est cool. On va se le mettre parce que ça sera plus appréciable pour se déplacer, je pense. Booster glace, on s'en fout. Ouais, on va équiper le... On va équiper roulade. Comme ça, on va pouvoir rouler. Alors, faut savoir un truc. Tac 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 tac. Faut savoir un truc, c'est que parce que vous avez vu qu'on a roulade, mais il y a aussi le pas chassé, là, un peu, enfin le dash qu'on a avec la fusion souvenance là, qu'on pourra avoir si on l'a fait monter de level. Non, pas souvenance, sagesse. Le sprint. Et en fait, parce que c'est la même touche en fait, carré. C'est pour rouler, ça sera aussi pour dasher en avant. Et en fait, pour éviter que ça se produise, je crois que si tu appuies rapidement, genre tu fais un petit clic comme ça, si tu vas rouler, par contre, si tu restes appuyé, tu vas faire un dash. Bon, là, on l'a pas le dash, mais quand on pourra. Et du coup, ce que je propose qu'on finisse sur un truc, c'est qu'on finisse sur ça. Et on va aller voir les puzzles parce que ça fait un moment, je crois, qu'on n'a pas vu les puzzles, même si. Allez, la forteresse, j'arrive pas à parler. La forteresse oubliée, il y en a pas mal, c'est dans l'endroit le plus dur du jeu là que je vous ai dit. Et du coup, il y a pas mal de trucs quand même, hein. on a pas encore tout, même si on va en déverrouiller d'autres avec le, du coup, les deuxièmes parties de monde là, parce que ça, on va déverrouiller de nouveaux lieux. Donc les ah bon. Ah non, c'est vrai, on peut y tourner, merde. Voilà. Cristal de sérénité, cristal repose réfergent. Regorgeant de sérénité, un ingrédient très rare utilisé pour la fabrication d'objets. Et voilà, donc la photo en entier, donc elle est très très belle. Ensuite, deux faces. Qui s'y va pas? Lucky Blade. Ouais, bah c'est tout. Formule rare, une formule de synthèse qui permet de créer un objet peu commun. Est-ce que ça serait pas Ultima par hasard? Je pense pas, mais on sait jamais. On ne sait jamais. Board. Bon, board, on pourra pas le finir, je vous l'ai dit. Du coup, je suppose que tu vas là, oui, tu vas là. On pourra pas le finir parce que si je ne dis pas. Voilà, si je ne dis pas de conneries, il y a des pièces de puzzle qu'on n'aura pas. Enfin, on pourra pas y accéder. Ça va du style, je pense, ici. Ensuite, ça va là. Ensuite, là, on a pas mal de pièces, c'est cool, je trouve. Ça va tout là-haut. On va dire genre un truc comme ça. Et non, on va plutôt dire comme ça. Ça passe pas. Ça ici. Ça ici, je pense. Voilà. Du coup, ça, à mon avis, ça sera ici. Ça ici, ça me semble bien. Je vous rappelle que je peux pas les tourner, les trucs. Hein. On va faire un truc de ce style-là, hein. On va... J'en sais absolument rien, je vous avoue. Ah, ça par contre... Voilà, ça va là. Je ne sais absolument pas où il faut les placer, ceux-là, hein. Voilà. Et crépuscule, par contre, là, qu'on va pouvoir tourner. Donc là, ça va être un peu plus complexe, hein. Celui-là, je sais qu'il sera genre un truc de ce style-là, là, quelque chose comme ça. Et du coup, ça, on ne saura pas trop... Genre, je dirais... Comme ça. Je sais absolument rien. Voilà. Et par contre, oui, non, c'est bon. Donc, crépuscule, on le fera pas non plus. Je pense que là, niveau puzzle, on pourra pas les finir. Hein. Faudra que j'aille tous les chercher et je vous ai dit que je n'allais pas le faire parce que je suis pas spécialement envie de faire un 100% dans. Donc, H2, de toute façon, si on fait un 100%, ça sera. Je referai le jeu avec vous, mais en version du coup 100%. Donc, on essaiera de tout avoir. Tout avoir, mais ça sera sur la version PS4 si je fais ça. Avec le. Je rachèterai le jeu sur version PS4, même si. Ça me donne un peu l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres, je vous avoue, je vais pas vous le cacher. De racheter le jeu, sachant que je les ai déjà, mais comme il n'est pas trop cher, parce que genre, je crois que c'est... Je l'ai vu 60€, enfin, 60€, ça reste quand même un prix assez élevé, je trouve. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est assez élevé quand même. Après, tout dépend de combien tu gagnes par mois, patati patata. Bon, on va pas parler d'argent, c'est pas un truc que j'aime aborder, mais bon. T'as quand même 6 jeux dedans. Enfin, 6 jeux, t'as 4 jeux et 2 films, on va dire. Et je trouve que le prix est relativement raisonnable. Enfin, genre, si tu veux commencer cash, t'achètes ça, tu te mets bien, quoi. Et du coup, juste pour finir, j'aimerais aller à un atelier Mog. Je suis désolé, je fais durer un peu l'épisode. J'aurais dû m'arrêter depuis longtemps, mais bon. Je veux aller à un atelier Mog. Bah, je propose même de commencer un nouveau monde. Non, en fait, non, on va pas commencer un nouveau monde parce que.
Je sais pas s'il y aura un Atelier Mog dans le prochain, c'est le monde, enfin on fera le monde de Mulan au prochain épisode. Je pense qu'on essaiera de caler ça en un épisode, je pense que ça devrait largement passer. Mais si j'ai pas de bêtises, il y a un Atelier Mog ici. Non, il y en a pas ici. Par contre ici je crois qu'il y en a un. Et peut-être que si, dans l'autre endroit, il y avait peut-être un Atelier Mog, mais je ne suis pas sûr. Bon, s'il n'y en a pas un ici, je sais où en trouver un facilement, donc ça, il n'y aura pas de problème. Mais ça se trouve, il n'y en a qu'un seul par monde. Je suis en train de réfléchir, ça se trouve, il n'y a qu'un seul Mog par monde. C'est bien possible. Allez, le jeu... Non, ici, il y en a un ici. Non? Non? Il n'y a pas d'Atelier Mog ici? What the fuck? Ah! Et Cloud, on va lui parler vite fait. Si vous voyez un homme de la chevelure grise. Oui, bon. C'est bon, on a couru. Ah, il n'y a pas d'atelier ici. Bon, bah, c'est pas grave, je sais où aller. Mais. Il me semblait qu'il y en avait un. Est-ce que je peux aller là-bas d'ailleurs? Pas encore. Pas encore, parce que je crois qu'on pourra y aller. Mais on pourra pas aller à l'endroit dans la chambre de l'éveil ou je sais plus quoi là. Mais on ne pourra pas y aller pour le moment. Bon, je suis désolé de faire des allers-retours dans l'Atlas. Mais c'est pour la bonne cause. Du coup, on va retourner voir. Enfin, l'endroit où il y a la maison de Merlin, où il y a Cid et tout là. Et on va aller. À l'entrée, on va dire, de la. Avant que je puisse me TP autre part. Non. On va aller entre guillemets à l'entrée de la cité des crépuscules, là où on est arrivé tout au début. Et on va... Parce que je sais qu'il y a un Atelier Mog ici, j'en suis persuadé, parce que c'est même là que j'avais cru Ultima, pour tout vous dire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que j'ai été allé farmer les ingrédients pour Ultima, ça... C'est clair, et Ultima, je crois que tu la récupères... Enfin, tu peux la créer, si je dis pas de bêtises. Enfin, tu récupères la formule quand t'as eu tous les ingrédients du jeu. Si je dis pas de bêtises. Et effectivement, il n'y a pas d'atelier ici. Dès que t'as récupéré tous les ingrédients possibles du jeu, donc faut tuer toutes les sortes de monstres, etc., avoir la chance de looter... tu peux créer Ultima. Bon, après il te faut les items. Or tu les as pas forcément. Tu les as pas forcément. Je vais pouvoir rouler, ça va être cool. Ça va être très très cool de pouvoir rouler. Hop. Et ça pourra nous aider pour les boss du coup, parce qu'on pourra esquiver plus facilement. Parce que sauter c'est pas une esquive hein. On est d'accord avec ça. Alors voilà, ici il y a un Atelier Mog. Synthétiser. Hop hop hop. Tac tac tac. Du coup formule. Ma bonus PC, amulette lunaire et ça. Du coup on n'a pas Ultima, c'est bien ça. On pourra créer ça si on veut, mais bon c'est pas forcément ce qu'on veut. Et du coup qu'est-ce que c'était? Ah, à mon avis ça devait être ça. Une autre action, illusion manifeste, éclat de souvenir. Bah je connaissais pas. Alors on va faire ça, hop, bonus PC, et voilà. Bon bref, on va... Se l'équiper vite fait, tac tac tac. Non, c'est pas. Ah, on va faire ça aussi. Genre un truc de style. Ça. Voilà, ça peut être pas mal. Ah, mais non, mais merde. Ah, oui, c'est vrai. Ah, bah c'est problématique tout ça. De pourquoi ils ont enlevé les trucs de Dingo? C'est pas parce qu'il était mort qu'il fallait lui enlever? Non, mais oh. Vous êtes malade, j'allais dire. Je les ai eu quand tous ces items? Je me souviens plus. Tout s'explique. Bon, du coup, j'ai un truc un peu pourri, mais bon. Ça sera bien pour... en attendant, quoi. Bref, du coup. On revient ici. Bonus PC. Tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, on n'aura pas vu la compétence de soirée que je voulais vous montrer. Mais bon. C'est pas bien grave. De toute façon, je sais même plus ce que c'est. Je sais même plus ce que c'est. Bref. C'est pas grave. On va céder là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a eu pas mal de révélations. C'était plutôt cool. Est-ce qu'il y a une sphère de sauvegarde ici? Absolument pas. J'avais récupéré celui-là, hein. Ouais, d'ailleurs, normalement, je peux y accéder maintenant. J'avais pas pris un level sur la fusion? Ouais, si je fais un sort. Voilà. Bon, avec un sort, ça passe. Bref, on va se laisser du coup pour cet épisode. J'espère que vous aurez plu, plein de révélations et tout. C'était plutôt sympa. On a eu le combat des 1100 coeurs, ça aussi, c'était cool. Ah, attendez. Je suis désolé, hein, vraiment, de vous embêter jusqu'au bout, mais... Pendant qu'on y est, franchement... Bon, Sora, tu m'accèdes à ça, s'il te plaît? Par contre, on a les 100 coeurs que je n'apprécie guère. Maintenant qu'on a les fusions bien améliorées et surtout qu'on a la fusion maîtrise, hein, qui me paraît fort sympathique, hop, on va profiter de tout ça. Hein, hein. Hop, hop, et voilà.
Puzzle de capsule, bon, c'est pas non plus le puzzle que je voulais absolument, mais bon. Voilà quoi. Non, on va essayer d'en tuer au moins un pour qu'il me file du flux. Bon, tu veux bien prendre des coups, s'il te plaît? Voilà, merci. Là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Sauf si tu te fais arrêter. Bon, ça suffit, là. Laissez-moi au moins tuer un, histoire que je monte un peu cette... Oula, je comprends pas ce qui se passe. Je suis sûr qu'il m'a même pas donné de flux, cet enfoiré. Bon, c'est pas grave. Bref, barrons-nous. Bon, je vais y arriver. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode, du coup, on s'attaque à la Terre des Dragons. Donc, le truc de Mulan. Je retourne dans l'Atlas, c'est pour retirer la fusion. Donc on ira dans le truc de Mulan. Et on fera le monde en entier. Je pense que ça devrait largement passer. Parce que je crois que même que c'est plus rapide que les premières fois qu'on y va, du coup. Parce que comme on a plein de combos, on tue les Sankara assez rapidement, même s'ils ont évolué. Il me semble que ça va relativement relativement vite. Enfin, genre, les mondes, ça prendra genre, je dirais, une quarantaine de minutes, à peu près. Bon, après, ça dépend lesquels. Hein. Il y aura des mondes un peu plus durs que d'autres, mais bon, voilà. Bref, j'espère que ça a plu. Prochain épisode, on s'occupe du monde de Mulan. Si on a le temps, on commencera un autre monde, mais bon, on verra ça en temps voulu. Hein. Donc là, programme, on se retape tous les mondes. Voilà, donc c'est un peu chiant, je sais. Enfin, moi j'ai trouvé ça dommage. Enfin, j'ai pas trouvé ça chiant parce que je me suis dit ça rajoute du temps au jeu et j'étais en mode waouh et tout la première fois. Mais j'aurais préféré un autre monde quand même. Bref, j'espère que ça va plu, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.